Lorsqu'on m'a proposé ce projet, en tant que portraitiste, j'ai tout de suite pensé un collège, des portraits. Donc on a mis en place un shooting photo. Ça a été la chance de pouvoir rencontrer chacun d'entre eux et de passer un moment avec eux. Ce qui fait que lorsque je réalisais le pochoir de chacun d'entre eux, j'avais le souvenir de la séance. Avec certaines des anecdotes qui m'ont été racontées sur leur vie, sur leur comportement. Pour moi, ce n'est pas des anonymes, c'est vraiment des gosses que j'ai rencontrés. J'ai fait réaliser aussi, sur mesure, une série de bonnets phrygiens. En fait, je suis assez heureux de réaliser cette fresque dans ce contexte, de pouvoir réaliser des portraits d'enfants issus de la mixité, et dans un sens complètement laïque, puisque chacun d'entre eux porte un symbole républicain très fort, le bonnet phrygien. Ici, à Sarcelles, pour moi, c'est vraiment un grand symbole. J'ai accepté parce que d'abord, cette école, elle est symbolique. Elle est au cœur du quartier, elle est au cœur du grand ensemble de Sarcelles. Et c'est une école sur laquelle on a toujours inscrit laïcité. Donc l'idée, c'est de faire 100 murs pour la jeunesse et que le premier soit à Sarcelles. Parce que l'école, c'est l'endroit où les enfants vont apprendre à devenir des citoyens éclairés. L'idée, c'est pas seulement de coller une œuvre, de permettre à un artiste de s'exprimer. C'est que les enfants de l'école participent à l'élaboration de l'œuvre, qu'il y a un accompagnement par des collectifs, par des associations, que les gens les accompagnent, parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi ce qu'ils font. Il faut leur expliquer. Un bonnet phrygien, c'est quoi? La République, c'est quoi? La laïcité, c'est quoi? Et donc, il y a aussi un côté pédagogique. Il y a un côté éducatif, pédagogique, artistique, et c'est les trois qui font l'intérêt. Voilà. Pauline Kergomar, elle a décidé que les enfants, aujourd'hui, ils avaient besoin d'autre chose que ce qu'il y avait à la base à l'école pour pouvoir se développer. Donc là, on va faire des t-shirts. Sur le t-shirt, je veux que vous me dessiniez ce que vous préférez à l'école. C'est 215, il fait des beaux dessins. Il tague bien, il fait bien... Ça représente liberté, égalité, laïcité. Fraternité, la laïcité, c'est juste... On est tous les religions, voilà. Mais c'est pas le plus important, c'est la liberté, égalité et fraternité. Laïcité aussi, parce qu'il y a plusieurs religions dans une seule école. C'est ça. C'est une véritable émotion de les voir là. Et c'est chouette aussi de les voir rassembler et célébrer des valeurs qui nous sont tous communes, quoi. Donc je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Plutôt que de catégoriser, diviser, ghettoiser, aujourd'hui en fait on se pose beaucoup de questions sur cette actualité, nos ancêtres. Je pense qu'on ferait mieux de se poser des questions sur savoir qui sont nos enfants. Thank you.